Et salut tout le monde, ici Becca et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Tomb Raider, les amis. J'ai pas bougé, hein, on est toujours au premier camp, les amis. Je prends la vidéo à la suite du premier épisode. Et donc on s'en va. J'ai pas vu les commentaires du premier épisode encore, je tourne ça à la suite pour prendre un petit peu d'avance sur vous, mais je les lirai, vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et nous, on va continuer alors. What the fuck, man? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, il doit chasser. Comment tu veux qu'on chasse si on n'a pas d'arc? Dieu. Oh mon Le Dieu, pauvre homme. le pauvre homme, il a un arc. Cet arc me sera utile. Ben oui, cet arc sera utile, ma grande. Donc, en mode speedrun, les amis, je sais pas si vous connaissez le speedrun. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc hop. Ça va être un peu compliqué. Oh my god, quoi. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai plus trop l'habitude de. Du réflexe, des touches, tout ça. Ah, en plus, en même temps, je suis en train de record, donc c'est pas évident. Y arriver. Allez, oui, tu peux y arriver là-bas. Vas-y. Bim! Prends-toi ça, putain. Voilà. Nouvelle arc. On va voir si ce truc marche encore. Alors, j'ai déjà des flèches. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. W pour le zoom. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. T'inquiète pas, Lara, on va trouver à manger. T'inquiète pas, je suis un chasseur hors pair, moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on fasse le jeu avec une arme en particulier? Si vous voulez que j'utilise que l'arc pendant toute la série, j'utiliserai que l'arc. Si vous me dites, ouais, utilise le flingue quand tu l'auras, ou utilise. Alors, il y a deux possibilités là, c'est l'arc, et après il y a le pistolet. Donc là, je récupère un peu les arcs. Après, on peut s'amuser à faire ça aussi. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais activer l'instinct pour voir un petit peu s'il y a des animaux dans les alentours. Ah oui, il y a ça. C'est vrai. Ouais, 1 sur 10 000. Donc c'est bien. Alors, je me rappelle plus trop où il faut aller. Le saut, quoi. Ah, une biche là-bas. Ah, trop loin. Où aller? T'inquiète pas, tu souffriras pas. T'as pas souffert. Oh la pauvre, désolé, mais j'ai faim moi, hein, donc. Ouais. Je prie pour elle. Désolé. Mais j'ai un peu la dalle, donc. Va falloir que. Bah que je t'ouvre le ventre, voilà. Clairement. Je te mets au fond, quoi, putain. Allez, vas-y. Sans pitié. Allez, voilà, on est des barbares, qu'est-ce que tu veux, hein? Les humains, hein? On se fait tuer, voilà, on tue et on se fait tuer, donc voilà, c'est la vie, c'est la vie, c'est la jungle, le plus fort. Bon, retour au camp. Ouais, retour au camp pour aller faire cuire tout ça. Déjà, comment on fait pour voir la carte? Ah oui, c'est ici. Il faut que je fasse demi-tour.
Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ouais, moi aussi. Truc de la Terre et des étoiles, ouais, bien sûr. Olé, hashtag olé. Alors. Ah oui. Ok, donc là j'ai appris ça. Insta animal. Comment on sort de ça déjà? Ah, j'avais que. Ah! Ah non, non, ça je l'avais déjà appris ça. Ok. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres des animaux. Bah allez, on va faire ça. Voilà. On gagnera plus de trucs maintenant. Ok, nice. Ok, c'est ici, je m'en rappelais plus trop, ouais. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Lara! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non! Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible! C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. Faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alors, 2 secondes, les amis. Graphisme, je regarde bien s'ils ont pas bougé. Avancé. Ultra, ok. C'est presque tout en ultra. J'ai pas tout mis, malheureusement, parce que. C'est fixe ultra, ok, ok, ok. De toute façon, après le plus, on peut pas plus. De toute façon, j'ai tout mis à fond quasiment. Après, il y a des choses que je mets pas à fond parce que ça risque de faire laguer la vidéo et j'ai pas trop envie quoi. Donc là, je me rappelle plus de la musique. De la musique, que la musique est bonne. Bon, bref, alors là, Lara, elle a plus mal à nulle part. Elle a fait des. Y'a quelqu'un ou quoi? Je vais passer par là. On passe là-bas? C'est pas vrai. Allez, descends là-bas. Appuie sur mage pour. Ok. Appuie sur mage pour vouloir vous lâcher. Là. On s'en fout un peu quoi. Je veux pas te lâcher. Mais non, mais remonte pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que c'est que cette merde, la nuit? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais pas trop spoiler, hein, on va le faire normal. En tout cas les décors, regardez, hein, Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de te sortir de la merde, la cocotte. Qu'est-ce que tu crois? Hein? T'as pas vu? S'il te plaît, qui, honnêtement, mais qui viendrait dans une zone pareille, quoi, putain?
Moi le premier quoi, j'irai pas quoi. Regardez les têtes de mort de partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire un putain de psychopathe qui t'attend. Oh non, c'est de la folie. Eh oui, c'est de la folie, qu'est-ce que tu crois? Allez, allume ça. Bah oui, c'est chaud. Petit truc ici. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ok. Petit masque, les amis. Voilà. Ah, voilà. Les découvertes des différents documents, etc. Ça, ça va être super nice, les amis. Hop. J'ai même pas vu qu'il y avait un truc par terre. On va aller de l'autre côté. Je crois qu'on va trouver notre pio au début, là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il y a des choses que je me rappelle encore un petit peu. Piolet. Ah oui, voilà, c'était le piolet. On a récupéré le piolet, les amis. Un petit peu de musique. Qui aurait pu mettre ça ici? Honnêtement. Ok, le piolet, ça sert à ouvrir, c'est vrai. Ouais, je me rappelais plus. Il y a des choses que je me rappelle et il y a des choses que je me rappelle plus. Je ne peux pas faire ça. Bah oui. Tu ne peux pas faire ça. Mais tu vas le faire avec moi. Parce que moi, je rigole pas, quoi. Tu vas m'écouter, c'est tout. Okay. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas un truc à faire, hein, en bas. Non, apparemment pas. Allez. On peut pas sauter, là. Comme on le faisait à... Ah oui, c'est bon. Ça y est. Ok, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir des ennemis. On va marcher. Sam ? Oui, là derrière ça, il y a Sam et tout. Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. On va retrouver Sam et ses amis. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente... Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Inigo. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Inigo régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Inigo était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Et la race endorma. Ça soupissa. Alors on va juste monter un petit peu le son. Je sais que je vous fais chier, mais... Eh oui, Sam. 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 Merde.
Aïe, ça, ça fait mal. Encore, ça va qu'il n'y a pas des pics. Ouais. Ah oui, c'est pas des trucs avec les loups, là. Ah ouais, quand j'ai joué au début avec ce truc, ça m'a fait vraiment trash, quoi. C'est de l'endroit qui m'a fait le plus trash. Non, ça va, mais... Headshot. Ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Ah là, les amis. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, t'as raison, Lara. C'est comment déjà qu'on... Est-ce qu'on a la... Vous avez quoi? Ouais, bah, je crois qu'on peut rien faire. J'ai pas de points, j'ai rien. Par où commencer? On va récupérer les flèches déjà. Lara! Là-haut! J'ai trouvé quelque chose! Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline! Cherchez le grand portail! Je crois qu'il y avait quelque chose de... Ah! On va récupérer ça. Hop, on va récupérer ça aussi. C'est où il est l'animal que j'ai tué là? Il est là. Je crois qu'il est vers là, non? Ouais, il est là. Hop là, on récupère. On récupère. Encore un sanctuaire. Je suis full en flèche. Bien vénéré. Je me rappelle plus si c'est ici qu'on doit monter ou pas. Non, apparemment pas. Ça, je peux pas les casser encore. Whitman est une vraie diva. Je le revois encore pendant que je le filmais. Quelle histoire. Après tout, c'est son boulot, non? Ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose au résultat de ses recherches. Dès que nous aurons trouvé l'Yamatai et que les caméras tourneront, ça ira mieux.
Il est pénible, mais il est doué pour la mise en scène. Je dois faire mon travail et rester calme. Lara ne le sait pas, mais je l'ai filmé elle aussi. Je veux vraiment que les gens sachent à qui revient tout le mérite. Et puis, elle passe tellement bien à l'image. Ça va rendre Whitman fou de jalousie. Mais le temps qu'il se rende compte, nous serons loin. Alors je vous laisserai ces petites séquences comme ça de audio de pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas le jeu, qui découvrent grâce à cette vidéo. Ça fait très très longtemps que j'ai joué, donc pardonnez-moi si j'oublie des trucs. Alors je sais que de mémoire, oula, faut chasser les amis dans le jeu, faut chasser pour avoir des points, pour monter les compétences, tout ça. Pour ça que je me sers de l'instinct de temps en temps. Hop, là-bas il y a un truc. Je m'en fous, moi, t'es loup, moi, mec. Ouais. La voie est libre montée. T'es malin, toi. Le mec, il me dit, la voie est libre montée. Le mec, il a un peu oublié de me dire qu'il y avait des... Il y avait pas des trucs ici. Je crois que je me rappelle que... Ah, voilà. Il y avait un truc ici. Les acteurs de nos penchaient la tête vers le haut ou vers le bas afin que le masque exprime différentes émotions. C'est bien. Alors je sais que... Alors pourquoi je me suis rappelé d'ici? Parce que j'avais tellement galéré la première fois que j'ai cherché que c'est resté marqué, les amis. Je peux vous assurer que c'est resté marqué. Je sais que sous un pont il y a un trophée aussi récupéré. Ah, il y a des fruits. Je sais que sous un pont, il y a un truc. Mais lequel, je ne sais pas, les amis. Oh, il y a encore une biche, là. Oh, t'es pas morte? J'ai pas encore le pouvoir de... Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Ouais, c'est une quête aussi, ça, les amis, à faire. Je récupère tout, les amis, parce que c'est important. La chasse, c'est important pour gagner des points. Donc je préfère les faire maintenant plutôt que... Parce que là, c'est l'endroit idéal pour la chasse, ici. Il y a plein de bestioles et tout. Moi, j'avais passé beaucoup de temps. Alors là, en même temps, ça me permet de voir s'il n'y a pas des... j'ai fait un headshot. Hop, on récupère tout ça, on vide, on regarde la zone s'il manque rien, s'il y a quelque chose. Ok, là.
Hop. C'est quoi ça? Ça c'est une cage. Et là il n'y avait pas un truc là. Bon apparemment j'ai tout fait la zone. Hop, on y va. Normalement je peux monter là-haut, normalement. Non? Peut-être pas. Ah oui, c'est là-haut. C'est comme ça que je me rappelle bien. Ouais, c'était comme ça. On récupère ça et on s'accroche. Et voilà les amis. Carte mise à jour, hop, on y va. Je sais plus trop où c'est. Je crois qu'il y en a encore un là de. Alors je vais essayer déjà de lui mettre un cachot à lui. Mais ils veulent pas là. Donc on a combien d'épisodes? Ils sont fascinants. Après la cinématique. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Faut améliorer mon piolet. Ok, elle veut améliorer son piolet. On va se mettre là dans ce feu. Est-ce que ça marche? Ouais. On va améliorer le piolet. Donc. Voilà, renforcé. C'est possible. Voilà, on a amélioré le piolet, les amis. Ok, boum. Et donc, c'est sur ce qu'on va se laisser, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se dit au prochain épisode. Et comme dit chez nous, tard plus.